football, le Sporting Club de Bastia a ouvert sa campagne d'abonnement pour la prochaine saison de Ligue 2 qui débutera le 17 août et les supporters se les arrachent. Un casse-tête pour le club car les travaux de rénovation du stade Armand-Cesari devraient durer 2 ans et ont commencé par les tribunes. Reportage Frédéric Danez et Guillaume Leonetti. La tribune Est, épicentre de l'ambiance du stade Armand-Cesari, restera vide et muette 2 saisons, le temps estimé de la durée des travaux. Des supporters qu'il va falloir replacer dans d'autres tribunes. Le service abonnement du Sporting a dû s'adapter à cette situation inédite et ce n'est pas la seule. En effet, le championnat de Ligue 2 passe de 20 à 18 clubs et donc 2 matchs de moins à domicile que les saisons précédentes. Mais pas question pour le club d'augmenter ses tarifs. 3 nouvelles formules sont proposées pour les réabonnements à partir de 140 € pour la moins chère jusqu'à 275 €. 3 formules, donc une basique qui est moins chère en réabonnement que sur ce qui se faisait l'année dernière. Vous en avez une, on va dire, intermédiaire qui vous ajoute à cela 7e et 8e tour de Coupe de France, 10% de remise en boutique et l'accès à une formule digitale. Et une offre, on va dire, un peu supérieure. En plus des avantages que j'ai résumés juste avant, vous avez un flocage offert à la boutique, donc non numéro. Vous avez accès à des entraînements 3 au stade Armand-Cesari qu'on définira et qu'on communiquera aux personnes qui ont pris cette formule. Et vous avez un accès prioritaire au match de gala. Une stratégie prise en conseil d'administration est défendue notamment par les socios. Leur représentant reconnaît que cette nouvelle organisation du stade va demander un peu de temps et beaucoup de pédagogie. S'il y a des problèmes de compréhension, c'est que peut-être que la communication n'a pas été bonne à ce sujet, mais ce qui est simple de comprendre, c'est que les supporters de la Pétrignane se transféreront naturellement en tribune ouest jusqu'au début des travaux de la tribune ouest, et ensuite ils basculeront dans le quart de virage sud-ouest pour suivre la fin de saison dans des conditions normales. La campagne de réabonnement est ouverte depuis le 22 juillet uniquement sur Internet. L'engouement est certain, 3500 places sur les 8000 réservées aux abonnés ont déjà trouvé preneur. À partir du 5 août, les abonnements seront ouverts à tous.